Madame de Crampon. Pourquoi pas être à l'heure, nous sommes à l'heure. Oui, nous aurions voulu le faire exprès. Comme je suis heureuse de vous voir. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Oh, vous savez. Oh, oui, je sais. Cela va bientôt faire un an que ce cher Victor nous a quittés. 3 ans, Madame de Crampon. Oui, 3 ans, c'est ce que je voulais dire, 3 ans. Comme le temps passe vite. Ce sont les minutes qui sont longues. L'est-il? Ce sont les minutes qui sont longues. Bien sûr, bien sûr. Surtout la nuit. Ah, surtout la nuit. Ce cher Victor. Il vous aimait bien, Madame de Crampon. Avant qu'il ne tombe muet, il me parlait souvent de vous. Mon Dieu, quelle idée a-t-il eu de tomber muet? La paralysie, chère madame, la paralysie. Cela a commencé du côté droit. Le côté du foie. Plaît-il? Le côté du foie. À gauche, c'est le côté du cœur. À droite, c'est le côté du foie. Oh, peut-être. Oh, remarquez. Bien avant sa paralysie, bien avant qu'il ne tombe à muet, mon époux n'était déjà plus le même. Nos rapports s'espaçaient de plus en plus. Ah oui? Racontez-moi ça. Ah, je suis entre nous, Madame de Crampon. Julie, vous connaissez ma discrétion. Donc vous me laissiez entendre que vos rapports... Enfin, mon mari était ce qu'on peut appeler un chaud lapin. Un chaud lapin? J'adore cette expression. Trop chaud même. Je le soupçonne d'avoir incendié tout le combustible qui se trouvait dans son entourage. Oh. Le nombre de secrétaires et de dactylos qui montèrent en grade dans son service. Oh, c'est impossible. Ne croyez pas que je veuille le charger. Ah, ce pauvre cher Victor. Je lui procurerais volontiers toutes les femmes de l'univers si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous iriez jusque-là? Oh, encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. Mais la passion ne s'arrête pas à de petits détails. Le tort que j'avais de son vivant, c'était précisément de m'y arrêter. Mais quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière... Ah, c'est la crémière aussi? C'est comme un plein, en pleine figure. Oh, Victor, je ne m'en parle pas. Non, oui, asseyez-vous, si on vous voyait. Non, excusez-moi, la douleur m'égare. Si je comprends bien, Victor vous négligeait. Moi? Oh, mais pas du tout, Gabien. Mais, comme je l'expliquais, avant sa paralysie, mon époux n'était déjà plus le même. Et nous restions parfois, mais 10 jours, 12 jours, 13 jours, sans... Ah oui. Bon, d'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es froide. Julie, tu manques de souffle. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Il était très exigeant. Exigeant? Oui et non. Raffiné. Ah. Surtout raffiné. Il s'appelait Badouin, comme vous le savez, Victor Badouin. Mais en réalité, il descendait directement des Saintes Foix Villemur de Saintonge. Mais du sang bleu coulait dans ses veines. Mais vous, madame, une de Crampon, vous me suivez certainement? Je vous suis. Donc, pour en venir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusée, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie dans ce domaine et que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres ennuis sont souvent, je pensais. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, j'allais le trouver dans la salle de bain. Je fermais la porte à clé et je lui dis: Victor, j'en ai assez. C'est moi ou Barnabé? Barnabé? Ah ben oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, monsieur Badou... Ah, évidemment, c'était un très beau garçon. Ah, les yeux surtout. Jamais on aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Ah, ou peut-être, est-ce cela qui leur donnait cette pureté? Cette sorte d'éclat mathématique. Julie, vous ne vous sentez pas souffrante? Oh, je vous ennuie avec toutes mes histoires. Ennuyée? Mais pas du tout. Et que répondit Victor lorsque vous lui parlâtes de Barnabé? Rien. Mais c'est à partir de ce moment-là qu'il tombe à muet.
Ah, déjà l'horrible maladie rongeait sa moelle de chef de bureau. Et moi, je l'accusais, ce cher esthète. Je l'accablais. Je versais dans la mesquinerie, dans les petits points de vue, de petits détails, de petites questions. Oh, putain, mais je te demande pardon. Oh, je vous en prie, je dis. Excusez-moi. Vraiment me tue. Oh, pauvre chère ange, pauvre tulipe noire. Oh, comme vous êtes bonne, madame de grand. Oh oui, mais écoutez, écoutez, Julie, je ne suis quand même pas Victor. Oh, on dit ça. Oui, mais écoutez, écoutez, un peu de dignité, repressez-vous, alors, Julie. Excusez-moi, madame de grand. Quand je rencontre un ami ou une amie de Victor, mais c'est un peu de lui-même que je retrouve. Mais il y a du Victor en vous, madame de Crampon. Écoutez, mon enfant, moi aussi j'ai été veuve. Je veux dire, j'ai connu bien des épreuves au cours de mon existence. Je n'en suis pas mort. Ah, mais vous en mourrez, madame de Crampon. Croyez-moi, vous en mourrez. Allons, allons, la terre continue de tourner. Les feuilles grimpent aux arbres, les petites filles sont à la corde, l'océan joue du biniou, les oiseaux cuit-cuit, et la France. Ah, les oiseaux, mais Victor aimait tant les oiseaux. Donnez-moi votre chapeau. Chapeau. Donnez-moi votre chapeau, s'il vous plaît, je vous en prie. Et votre chapeau qui est plus qu'un chapeau, qui est un ramage, madame de Grandpont, un ramage. Je vous en prie. Mais vous n'y songez pas. Vous voudriez que je reparte cette nuit. Ah, mais je vous donnerai mieux si ça peut vous faire plaisir. Mais je n'ai pas envie qu'on fasse plaisir. Chaque chose a sa place. Ah, oh. Il aimait tant les oiseaux, lui. La première fois qu'il viola une petite fille, je lui demandais, oh, bien doucement, pour ne pas le froisser. Victor, pourquoi tu fais cela? Vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Après, non. Parce qu'elle ressemblait à un petit oiseau. Oh, c'était un poète, mon Victor. Ce n'est pas possible. Un homme si distingué, si ponctuel, j'avais un mot plus aucun. Oh, je vous en prie, cher grand ami. Mais Victor me commande ce chapeau. Plumez ou déplumez, je le tiendrai. Eh bien, tenez, si cela peut faire votre bonheur. Comment osez-vous me parler de bonheur? Oh. Les beaux oiseaux, les gracieux volatiles. Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Parce que vous, madame de Crampon, vous croyez dans votre état normal? Si quelqu'un pouvait passer. Comment? Mais je ne sais pas, évidemment, on ne sait jamais. Parlez-moi encore de Victor. Ce cher Victor. La première fois que je l'ai rencontré, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Ah. Vous vous souvenez de l'enterrement de votre grand-mère? C'était le bon temps! Oh, je m'en souviens! C'est lui qui l'a tué! Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Je crains qu'il ne se fasse tard, on bavarde, on bavarde, mais ça... Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. Oh, la gelée de groseille, surtout. La gelée de groseille? Mais elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille et nous remarquâmes qu'il s'était approché de son oreille et qu'il lui glissait quelques mots dans le tuyau. Mon cœur me lâche. Je sens que mon cœur me lâche. Où pouvait-il être? Oui, où pouvait-il être? Dans la cave. Victor l'avait coincé entre deux pots de confiture. Il avait abusé d'elle. Quand nous arrivâmes, pour tard, elle était morte. Morte? Bien, madame de Crampon, que se passe-t-il? Oh, de l'air, de l'air. Mais, madame de Crampon, mais vous n'allez pas partir. Mais je voudrais bien, mais ouvrez les fenêtres, mais laissez entrer les oiseaux. Mais enfin, c'est moi qui suis veuve, c'est pas vous. Mais, tenez, c'est votre chapeau que vous voulez? Quand je pense que j'ai couché avec ce... Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Un homme si ponctuel. Oh, Victor! Mon Victor! Mais dis-moi que ce n'est pas vrai! Mon Victor!
Mais j'y suis. Ça devait se passer entre la mi-mars et la fin juillet. Je lui demandais, qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon prince? Il me répondait, avec cette lueur, cette fine lueur dans le regard, je me cramponne. Mais c'était comme ça. Oh, ma tête. Je suis trop bien malheureux. Pour que tu ailles chercher consolation chez cette vieille chouette. Qui parle de chouette? Suzanne, il va être au moins 6 heures. Tu crois, Honorine? Ah oui, 6 heures et quart même. Oh, quel dommage. Oh, encore 5 minutes. 5 minutes de plus. 5 oh, minutes de plus. Non, il faut rentrer, ma petite caille. Oh, mais pour tout de suite. Aujourd'hui, mais nous sommes sublimes. Quel dialogue, mais j'en frémis encore. Moi aussi, je me sens plus la même. J'avoue que le moment de la grand-mère et du pot de confiture. Mais le temps passe, il y a les contingences. Oh, les contingences. Eh oui, les machines à laver, les enfants à fouetter, la viande à mastiquer, les journaux à balancer. À l'ordinaire. Nous reviendrons demain comme hier, comme après-demain. On part à Victor. Si tu veux, j'amènerai mon perroquet. Oh oui, c'est ça, apporte ton perroquet, comme ça on sera enregistré. Et puis moi, je mettrai ma robe de mariée avec mon brassard noir. Ouais. Au revoir, ma petite Suzanne. Au revoir, ton mari. À demain. Même heure.